Yo, bande de Roger, ici le Matt. Waouh, je suis trop content de vous retrouver. Je sais pas pourquoi, là j'ai l'euphorie du mardi. Non, je sais pas pourquoi. On est sur The Crew Wild Run, vous allez me trouver pour un dingue, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a une petite spécificité due à la dernière mise à jour du dernier mois. On doit être en janvier, ouais, ça doit être ça. Le mode photo. Donc il indique bien ce qu'il indique, hein. Dans pas mal de jeux, de plus en plus, on peut faire des photos. Et là, ils l'ont ajouté enfin, hein. À quand l'éditeur vidéo, peut-être, hein. Moi j'attends que ça. Donc je vais montrer en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et comment faire des photos de qualité. Non, enfin ça c'est personnel. Mais bon, en tout cas là j'ai choisi un spot, pourquoi pas, on va essayer de prendre une photo quand le truc est en l'air. Alors moi je suis sur la manette, donc le mode photo c'est la flèche du bas, hein, sur le petit pavé en bas. Là. Ok, donc là on a quelque chose. Alors déjà je vais virer mes filtres habituels. Là il n'y a pas de filtre. Okay, on va tout remettre à zéro. Voilà, paramètres par défaut. Tac. Ok. Là on a le bordel de base. Ok, on a arrêté le temps. Ok, bon. Quoi de plus? Alors j'ai mis le jeu en assez haute qualité parce que je peux me permettre des baisses de frame comme on est sur des photos, ça devrait le faire. Donc, on va commencer par le commencement. Donc déjà, de base, si vous faites un peu de photos, vous savez que zoomer et même on peut faire des grands angles. Voilà, ça rend des choses plutôt sympas. L'inclination, bon bah voilà, soit vous prenez un portrait, soit vous prenez un paysage ou incliné, hein, à loisir. Afficher le véhicule, alors là je pense que c'est pour les paysages, si vous voulez que du paysage pour le coup, je parle du... Alors, il y a encore la nitro. Donc, à moins que vous vouliez faire, voilà, deux étoiles filantes, comme ça, enfin, genre des boules de feu. Mais c'est un peu bizarre, ouais, c'est un peu l'apocalypse. À moins que vous voulez faire ça, ça ne sert à rien. Ou alors des photographier des beaux paysages sans voiture. Donc là, vous pouvez régler la poussière, la boue, donc là, bon, dans notre cas, on va en garder un petit peu, parce que... Merde, on sort quand même du désert, mais pas maximum, ce qui permet de garder un peu d'esthétique. Et les dégâts, je préfère garder clean. Afficher le pilote, bon, bah ça vous choisissez, mais sinon il va faire un peu vide la bagnole. Les autres joueurs, il n'y en a pas ici, mais vous voyez ce que c'est. Et trafic, de la même façon, c'est tous les gens qui sont sur les routes. Voilà. Donc, voilà, tac. Ensuite, alors, quasiment la chose la plus significative sur votre photo, c'est cette option ici. C'est à quelle heure et avec quel temps. Vous voyez l'idée? Donc ce qui fait des choses assez dynamiques au final. Alors là, par exemple, je me dis qu'une photo de nuit avec Vegas, ça pourrait être sympa. Mais peut-être que le matin aussi. Voilà, comme ça, sans Vegas finalement, vous voyez, comme ça. Un truc à peu près, voilà, on se base un peu sur la colline. Là, je vais commencer à faire des réglages, donc je finis de vous montrer. Donc, exposition, luminosité, saturation, ça vous réglez, vous faites. Mais normalement, c'est déjà bien, il n'y a pas besoin de changer. Flou de mouvement, bon bah. Vous voyez que ça change, hein, au fur et à mesure qu'on augmente. Donc, ça va modifier tout ce qui est autour de la voiture. Alors, le flou local, c'est un peu compliqué à comprendre au début. Mais on a la distance de mise au point, donc c'est-à-dire que là. Alors, comment je peux vous montrer efficacement? En gros, si elle est à 0. La distance de flou, c'est-à-dire qu'elle va être le plus proche de moi. Et plus je me barre, plus le point de mise au point va se faire loin. Donc là, nous, comme la voiture est pas trop loin, voilà, on regarde là où c'est le plus... En fait, c'est assez visuel, hein. Vous regardez là où la voiture vous paraît le plus clair possible. Et ensuite, vous laissez ensuite début et fin de mise au point. Donc ça, bah vous doutez bien, donc c'est un peu l'avant-après de la mise au point, quoi. Donc ça, faut régler petit à petit. Faut tester jusqu'à trouver une certaine logique, en fait. Je peux pas vraiment vous expliquer. Je pense que ça vous parlera plus si vous le faites, vous. Ensuite, ici, on a tout ce qui est filtre. Alors, personnellement, j'aime beaucoup le filtre jauni par le soleil. Alors, pas autant. Voilà, 3, mais je trouve que ça fait des belles couleurs. Donc on va même le garder. La vignette, très important pour moi. J'aime beaucoup les vignettes. Je la mets au moins à 50% à chaque fois. Pour des voitures, je trouve que ça va. Ensuite, on a quelques cadres sympas. Voilà, donc cadre un peu crunch. Enfin, grunge. Enfin, je sais pas comment dire. Un peu The Crouillin. Donc, vous pouvez regarder, régler l'opacité. Alors, on a aussi des cadres tout simples hein, qui permettent de faire des trucs plutôt sympas. Donc, noir, blanc, quelques couleurs. De toute façon, ça se retouche ou ça se refait avec un logiciel si vous voulez vraiment les travailler. Ensuite, le logo, qui peut être bien sympa pour faire des miniatures. D'ailleurs, je vous en aurais fait une avec. Hein.
Donc pareil, le blanc, le noir 2, donc un peu plus grand, et le blanc bleu, voilà. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, tac, on va revenir à non, j'ai pas envie d'en mettre. Donc avant de refaire les réglages de flou et d'horaire et quoi que ce soit du temps, le plus important, je pense, pour commencer, c'est de savoir le plan sur lequel on veut avoir l'image, donc le zoom en priorité. Voilà. Et ensuite, peut-être l'incliner, mais là je pense qu'on peut laisser comme ça. Quadrillage, hein, je vous aime pas parler, mais ça parle de soi-même, quoi. Le quadrillage, hein, je sais pas comment on pourrait faire d'autre. Ça, j'avais déjà bien réglé. Moment de la journée, 21h, ça me paraît bien. Oui, on a un coucher de soleil, alors on pourrait le mettre là aussi, mais je préfère la luminosité ici. Alors la météo, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir, voilà, une espèce de pluie sans pour autant. Alors bon, là c'est un peu dégueulasse parce qu'on est vachement près qu'il y ait du flou. Et qu'on est dans le désert, mais je pense que voilà, ça, un peu un truc un tout petit peu nuageux, ou alors ça on peut essayer avec la pluie aussi, mais je pense que dans le cas présent, le soleil, le beau temps, c'est ce qui sera le mieux. Alors on était comme ça, ouais. Hop, alors, ensuite, le plus intéressant, donc, moi j'aime bien mettre un peu plus de saturation. Luminosité, je la baisse toujours un peu. J'aime bien vraiment faire des contrastes et l'exposition, voilà, comme ça. Je privilégie toujours l'exposition et la saturation pour donner plus de couleurs et de contraste, tout simplement. Alors, flou de mouvement, on va le garder comme il faut. Voilà, peut-être que, voir si on le baisse avec quoi. Rien de très fameux, ça change pas grand-chose, mais ça lisse les textures, je préfère. Le flou local, alors, faudra le régler comme il faut, mais il est déjà pas mal, là. Est-ce qu'on fait flou derrière, en fait, c'est ça l'idée. Alors, pas le début, merde, je me suis trompé, c'est pas le début que je voulais mettre, c'est la fin, plutôt. Tac, 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 peut-être... Alors, voilà, là, c'est là où je vous dis, je piffe un peu pour trouver. Voilà, mais là, je crois qu'on est pas mal. Et vous voyez qu'on a déjà une image bien sympa, quand même. Et là, si vous voulez, il vous reste à faire F12, par exemple, sur Uplay, hein, perso... Je sais que ça marche, je crois pas que The Crew mette en place une façon de mettre des screenshots, ou alors soit vous faites une petite impression écran, et il y a la touche sur Windows, donc soit vous cliquez directement dessus, soit vous faites la touche FN en bas à gauche, donc final, plus la touche, donc ça dépend des configurations clavier, et ensuite vous faites CTRL-V dans Paint, ou dans Gimp, ou dans même dans votre Skype, hein, vous pouvez balancer directement CTRL-V, donc si je vous ai appris quelque chose, bah tant mieux. Et après, bah il suffit de vous amuser, soit vous restez sur le même plan, soit vous... Soit vous faites ce que vous voulez, en fait, vous pouvez même faire des mises en scène, quoi que ce soit d'autre. Bon, là, il n'y a plus grand chose à faire. Je vais vous montrer 2-3 autres exemples. Donc après, il suffit de trouver son coin. Hein. Par exemple, la miniature, je l'ai fait dans les champs de blé de vers Chicago. Vous pouvez faire ça dans les champs de tournesol. Alors c'est vrai que plus il y a de matière, plus c'est sympa. Dans la neige, j'aime pas trop perso, enfin c'est pas mon kiff, mais on peut faire des trucs sympas, je pense. Mais bah par exemple, vous voyez, hop, tac, comme ça on change de style, on va aller quand même dans la neige. On va faire une photo pop, sur une hauteur, ce serait sympa. Là il me semble, est-ce que c'est où ici, genre ici, peut-être avec une motocross pour voir un peu le truc. Alors je conseille d'utiliser pas mal les éléments du décor, hein. Du style les avions, les trains, ça rend des trucs pas trop mal. Je ferai peut-être un petit diapo à la fin, je verrai. Alors on va prendre la petite moto, voilà la KTM, qui est plus rapide que ma... enfin qui est plus stylée et plus rapide que ma Red, en fait. Donc les montagnes là-bas, vous me dites qu'elles sont plus hautes, ouais. Donc le problème avec les montagnes, alors ce que j'aime moins, c'est que... wow, calme-toi. Regardez, même avec les animaux. Voilà, voilà, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, on a fait un bon exemple. On va improviser là-dessus. Alors, je vais enlever le flou de mouvement, parce que sinon, on va pas avoir la bestiole. Bah, on peut tout à fait... Bon, même si elle est dégueulasse, hein, c'est pas grave. C'est un exemple, vous voyez. Ça va pas être d'une grande qualité, mais tac, vous faites ça comme ça. Je sais pas comment... Alors, attends, c'est quel plan qui pourrait être le plus sympa. Bah comme ça peut être sympa. Alors peut-être on va changer l'expérience en garde. Le moment de la journée. Tac, avec l'aigle en haut là. C'est plutôt stylé.
Alors est-ce qu'on met du mauvais temps? Non, on peut mettre des gouttes, ça fait quand même de la neige un peu, ça peut donner une ambiance. Et la distance de mise au point, on va la raccourcir, voilà, pour avoir bien la moto en focus. Elle en a du mal. Bon, voilà, c'est pas fameux, mais c'est une idée, hein. Vous voyez, par exemple, c'est... Tac, tac. Donc je trouve ça vraiment génial, et franchement, je peux y passer vraiment beaucoup de temps, parce que j'adore la photo dans la vraie vie. Donc de le faire... Aïe, oula, calme-toi. de le faire dans le jeu, ça m'éclate tout autant, perso. Surtout qu'il y a tellement de possibilités de faire des photos que, bon, bah, voilà, quoi. Bon, là, je voulais tenter un truc. On pourra peut-être en faire une dernière avec pourquoi pas. Alors, il y a un autre élément que j'aime bien utiliser. Waouh. Pourquoi pas les Monster Truck, c'est assez impressionnant, mais il y a aussi les dragsters. Attends, l'ensemble à quoi m'arrive, parce que si, je sais plus si elle est moche ou pas. Elle est en bleu. Ah non, mais elle est noire, ça va. Non, ça va, elle est assez stylée comme ça. Vous mettez, j'en avais fait une avec la Ford Focus une fois, donc vous mettez dans une ville, par exemple Chicago, qui a des grands immeubles, ouais, dans une rue pas trop étroite. Si possible même sous les métros, ça fait encore plus d'atmosphère, quoi. Et vous débrouillez, alors attendez, tac, donc vous trouvez une rue qui vous intéresse. Alors là, ça risque de bugger un peu, parce que comme le jeu est quasi au max et que mon PC est pas fait pour le soutenir... Voilà, il y a déjà quelque chose de sympa. Alors, c'est mieux quand il y a plus de trafic, ça fait un meilleur... Merde, j'ai trop accéléré. Bon, on peut faire ça comme ça, peut-être. Attendez, je vais avancer un peu. Ce qui est intéressant, donc je voulais vous montrer, c'est d'avoir le burn... putain, je parle du nez, je suis désolé. Le burn quand il fait la roue arrière, quoi. Donc là, par exemple, j'aimerais une rue où il y a plus de décor autour, en fait. Donc on va se balader un petit peu. Et dès que je vois un truc sympa, je m'arrête. Donc bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu, parce que là, on s'approche de la fin doucement. J'aurais mis peut-être une petite musique. Putain, c'est vraiment pas fluide. Je tourne à 20 fps. Ah, voilà. Très bien, ce truc. Très, très bien, ça. Ok. On va se mettre genre par là. Tac, il y a un peu de dessus. Il y a un peu de people. C'est génial. Hop. Et là. Alors, j'ai raté mon coup. Parce que je pensais qu'elle allait plus partir en arrière, mais c'est la Ford Focus est meilleure pour ça. Attends, on va reculer un petit peu. Je suis désolé, c'est le travail de photographe, hein. Je voulais pas avancer autant, en fait. Oui, je sais, c'est chiant. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-les. Des façons de faire, des conseils pour les autres aussi, ça peut être toujours intéressant. Bon, je l'ai raté, mais on peut se contenter de ça. Alors, je privilégie perso, comme ça on aura tout fait. Grosse pluie Saras. Genre, la pluie. Voilà. Alors, est-ce que je mets un flou de mouvement? Oui, le flou de mouvement qui passe crème. Mais sans, c'est aussi joli. Hein. Mais je préfère quand même. C'est beaucoup personnel. Et même, je le mets à fond. Pour privilégier vraiment la voiture, quoi. Peut-être. Voilà, donc vu qu'il y a le flou en plus, ça sert à rien de bourriner plus que ça. Tac, ça on va le mettre loin. Là, bon, pas trop loin, sinon ça se voit. Enfin, j'ai l'œil. Ne m'inquiétez pas. Tac, 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 voilà. Ici, on peut mettre... quelle heure? Alors, ça, l'heure, ça peut être sympa aussi. Parce que vous voyez qu'en pleine journée... Alors là, on avait une heure qui était déjà sympa au niveau des couleurs. Hein. Mais c'est vrai que de nuit... Alors là, c'est un petit peu trop violent. Mais ça peut rendre bien, hein. Il suffit d'avoir le bon cadrage et tout, on peut faire des trucs sympas la nuit avec la pluie. Mais là, voilà, cet orame va très bien. Et on peut faire ça avec un peu de grand angle. Hop, on baisse un petit peu. Je sais pas quel côté me mettre plutôt. J'ai l'impression que le trafic c'est un peu barré en fait, mais c'est pas grave. Enfin bref, vous avez l'idée. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. On va se laisser là-dessus, tiens, on va mettre même peut-être le petit logo, ou on peut mettre un autre filtre. Sans filtre, avec plus de vignettes. Et le petit logo, le 2. Et puis blanc. Et puis en bas. Avec casse-couille, tu vois. Voilà.
Bon bah c'était le mat, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vais vous passer un petit diapo et pour moi ce sera la fin. Comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à commenter, partager et puis s'abonner, pourquoi pas, ça, si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, allez à plus.